Je tiens déjà à vous remercier ce débat sur notamment le devoir de vigilance, aussi par rapport à, je dirais, le mettre un débat contradictoire avec une association de consommateurs qui, dans le paysage consumériste français, a une vision, je dirais, originale. Parce que le problème aujourd'hui, si vous voulez, alors dans un terme, je dirais que j'aime pas trop, mais qui est malheureusement est partout, le consumérisme, si vous voulez, c'est avant tout, au départ, une vision de, je dirais même presque frénétique de l'achat. Aujourd'hui, on a effectivement d'autres considérants qui arrivent. Je vous avoue que c'est quand même difficile de faire passer ces messages parce que tout tourne aussi autour de l'éducation et surtout de l'information véhiculée par, je dirais, parfois contradictoire, véhiculée par les entreprises qui vendent des produits ou des services. Donc, nous, effectivement, quand on va présenter à l'association, elle a été créée en 1979 par la Confédération générale du travail. Alors, elle répondait aussi à un besoin interne, notamment justement sur ce qu'on appelle communément aujourd'hui la consommation responsable. Alors, évidemment, avec des nuances, hein, parce que 79, on était plutôt effectivement dans une conception, je dirais, encore productiviste. Aujourd'hui, effectivement, il y a plein de considérants, notamment sur tout ce qui concerne, effectivement, ça peut être l'éco-conditionnalité, ça peut être effectivement par rapport à l'obsolescence programmée, par rapport à notamment, et là, bien sûr, aussi sur la qualité du travail. Alors, un des causes a agi donc pour la mise en mouvement des consommateurs, ainsi que la défense, la conquête de leurs droits. Alors, ce qui fait aussi notre originalité, c'est qu'on est une association. Pardon, excusez-moi, qui agit bien sûr pour aider, accompagner les consommateurs dans leur démarche, je dirais, en cas de litige avec des opérateurs, mais également, elle a cette philosophie, je dirais, qui se rapproche de nombreuses ONG avec qui on travaille, comme Peuple Sauve ou Sherpa, c'est-à-dire l'idée centrale que c'est ensemble, c'est par nos actions que l'on peut effectivement apporter, je dirais, une contradiction, mais apporter effectivement un autre regard sur la consommation et surtout alerter les populations justement sur toutes ces problématiques qui, dans le cadre du devoir de vigilance, il n'y a pas encore très longtemps, on était quand même dans, je dirais, dans un flou artistique complet où le mélange RSE, devoir de vigilance et marketing était plus effectivement un objectif plutôt que d'une réelle conception éthique. Alors, j'ai écouté précédemment le représentant de chez Orange, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions, on ne peut pas le nier, mais ces évolutions se sont faites quand même, parfois un peu de manière conflictuelle. Je vois par exemple ce qui s'est passé, le tragédie du Rana Plaza il y a pas si longtemps, où effectivement, les chaînes de grande distribution, une bonne partie, étaient carrément dans le déni de leur responsabilité, parce qu'effectivement, elles agissaient en disant, ah non, non, moi, je n'ai jamais passé de contrat avec telle ou telle entreprise, parce qu'effectivement, comme vous l'aviez bien dit précédemment, il y a effectivement le sous-traitant de rang 1, rang 2, etc. Et là, on ne pouvait plus se satisfaire de cette situation, sachant qu'en même temps, les consommateurs finaux, je dirais, avions un déficit cruel d'informations et en même temps, on nous vendait, France, il faut le dire, hein, le monde merveilleux de Walt Disney. Voilà, là pour nous, c'est effectivement un des causas dans ses baptismaux, je dirais, c'est une association, et à la fois une association, je dirais, classique d'association de consommateurs, mais qui, dans sa conception, milite vraiment pour un développement, enfin, une consommation respectant les questions de développement durable, droit des travailleurs, etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la société de consommation, en très longtemps, a plutôt visé à saucissonner les choses. C'est-à-dire, d'un côté, vous aviez le consommateur
libre de ses choix, et de l'autre, vous aviez celui qui fabrique les produits, notamment le salarié, qui finalement, il fallait surtout pas qu'il y ait beaucoup de dialogue entre eux, mais parfois même, on essayait de mettre un petit peu de pression entre eux, c'était intéressant. Aujourd'hui, là, vous l'avez bien dit, sur ce que j'appellerais la société civile, les parties prenantes, la RSE a au moins cet avantage, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il est important aujourd'hui de réunir toutes ces personnes. C'est pour ça qu'on défend un modèle original au niveau européen. Vous avez la grosse structure d'association de consommateurs qui s'appelle le BUC. Nous avons créé récemment une autre structure qui s'appelle l'ECU, avec notamment nos homologues italiens. Je dirais contrebalancer, mais avoir une vision, je dirais, moins économico-business, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on intègre tous ces préceptes qu'on a dit sur les questions de développement durable, développement humain. Et bien entendu, en plus, autour du débat aujourd'hui sur l'économie circulaire et le réemploi. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable aujourd'hui je dirais, alors on est quand même majoritaire, hein, malheureusement, dans les associations de consommateurs, parce que effectivement, certaines sont beaucoup plus, je dirais, accompagnatrices, hein, d'un système libéral, hein, on va pas le nier, au niveau européen. Donc forcément, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver, et il peut y avoir cette carte gagnant-gagnant si chacun finalement s'écoute et se respecte. Que pour nous, c'est extrêmement important. Il a été dit précédemment, et ça, je suis vraiment. On réclame ça au niveau de notre association, c'est pouvoir converser, pouvoir échanger, mais aussi pouvoir justement avancer ensemble sur notamment ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du devoir de vigilance et de la RSE. Donc, pouvoir se rencontrer sur ces questions-là, c'est aussi reconnaître le représentant des consommateurs, l'association, comme un interlocuteur et pas simplement comme un relais dans des procédures, je dirais, contentieuses sur des litiges individuels. Et ce qu'il y a, ça pour nous, c'est extrêmement important, parce que on a un problème aujourd'hui dans notre pays, malheureusement, c'est que le terme société civile est un peu galvaudé, et malheureusement, on a tendance à un peu parler à la place des uns et des autres, et c'est pas quelque chose, malheureusement, qui est propre à notre pays. Moi qui ai travaillé beaucoup dans le domaine de la normalisation, sur des normes ISO, j'étais effaré de voir, par exemple, nos homologues australiens, des experts à la fois en tant que représentants des questions environnementales et représentants des travailleurs. Ils avaient une casquette un jour, le lendemain, ils avaient une autre casquette. Alors, je peux vous promettre que ça, c'est pour les parties prenantes sur des fabrications de normes, entre guillemets, c'est extrêmement, j'irais, préjudiciable pour vraiment avoir objectivement une norme qui s'applique à tout le monde. Donc, je vais pas plus loin sur la démarche. Je voulais juste quand même indiquer que l'Indecosa CGT, Indecosa, ça veut dire information, défense des consommateurs salariés. Alors, il faut bien aussi prendre, c'est pas simplement les gens qui travaillent, je dirais, ça concerne effectivement les privés d'emploi, les personnes en retraite, et notamment donc nos adhérents et leurs familles. Je le dis bien parce qu'il y a parfois des contradictions. Alors, je reviens sur. Alors, on est membre du Conseil national de la consommation. On fait partie des 15 organisations reconnues par les pouvoirs publics. Alors, nous, on a une double compétence, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on est à la fois reconnu comme association de consommateurs et on est aussi reconnu comme association de défense des usagers de la santé. Donc là, c'est effectivement une double prérogative. Il est probable, on est en train d'y réfléchir, qu'on demande aussi un agrément spécifique sur la question environnementale, parce que vous savez précédemment, aujourd'hui tout est imbriqué, et les uns et les autres ne peuvent se faire sans effectivement cette complémentarité marquée par le développement durable, économique, social et environnemental. Là-dessus, effectivement, on est dans nos objectifs. Alors, donc effectivement, on assure et développe la production. On informe, notre cheval de bataille, c'est aussi la formation et l'information. Alors, bien entendu, nous n'avons pas, comme dirait l'autre, la science infuse, contrairement à d'autres associations qui savent toujours tout sur tout. Nous, on fait des partenariats, des bilatérales, on travaille avec d'autres ONG, etc., y compris même
on se nourrit aussi de leur expérience, y compris sur des questions très importantes comme la RSE, y compris sur des questions internationales. C'est très important de travailler ensemble, y compris même sur des ONG qui, justement, sont sur place et peuvent apporter des témoignages conséquents, surtout dans des pays tiers où c'est extrêmement difficile d'avoir une information claire. Donc voilà. Pour ce qui est de donc les actions consuméristes, je l'ai dit, il est important des valeurs sociales et environnementales. Ça peut être par exemple comme nous avions fait ensemble sur le Rana Plaza, où nous avions pratiquement le surlendemain, je dirais, de cette terrible tragédie, où nous avions défilé avec un cercueil à Saint-Lazare, devant les grands magasins, pour montrer véritablement ce qui se tramait, ce qui se passait. Et nous avions vraiment, ce qu'on appelle des actions marquantes. Ces actions marquantes ont eu vraiment un impact dans la population très intéressant. Et on a vu un relais médiatique aussi très intéressant. Bon. Alors, donc en termes d'activité, bon, je veux pas aller très loin, je vous ai parlé de la santé, mais et, aux droits individuels et collectifs. Nous insistons beaucoup sur la question de l'apport collectif. Ça, c'est très important. Nous sommes actuellement au conseil d'administration de l'éthique sur l'étiquette. Depuis quelques années maintenant, on travaille effectivement ensemble, notamment sur tout ce qui concerne le devoir de vigilance. Mais également, nous faisons régulièrement des actions ensemble pour parler effectivement de toutes ces questions, je dirais, de relations entre le consommateur et le produit qu'il achète et ce qui se cache derrière. L'année dernière, on a fait une intervention dans ce sens-là avec Naila Al-Jatouni, à Malakoff, où on a eu un bel écho justement sur toutes ces questions. Alors, banque crédit sur endettement, ça c'est effectivement technique, je dirais. Malheureusement, c'est surtout les questions de surendettement aujourd'hui. Ne sont pas résolues, bien au contraire, elles ont pris une autre dimension parce que on n'est plus sur des achats, je dirais, liés à des crédits renouvelables permanents, mais surtout à des problèmes liés au manque de ressources. Et vous avez beaucoup de finalement aujourd'hui de ménages modestes qui se retrouvent en surendettement simplement à cause des charges contraintes que sont l'eau, l'électricité et le téléphone notamment. Donc, vous avez donc la question énergétique, l'environnement, on l'a dit, hein, des qualités de l'eau, etc. Alors, on a effectivement, alors, sur le logement, il faut savoir qu'aussi que l'association est une association de locataires. Donc, au-delà des questions cadre de vie, droit au logement, etc., effectivement, on représente les locataires, pardonnez-moi, dans les conseils d'administration de nombreux bailleurs en France. Voilà, santé, comme je vous l'ai dit. Cette faculté de cet agrément spécifique nous permet également, on rentre aussi pleinement dans le cadre de la RSE, c'est aussi que ça nous permet aujourd'hui, parce que cet agrément a été, je dirais, renforcé, il permettrait, par exemple, que l'on porte plainte contre des firmes pharmaceutiques qui ne respectent pas des règles, enfin, etc. Donc ça, c'est quand même important parce que on a été vraiment un des piliers de la bataille du Mediator, et je dois avouer que nous aurions eu cette spécificité d'association renforcée en matière d'action de groupe, par exemple, ça nous aurait bien aidé. Bon. Alors, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc là-dessus, effectivement, en matière de téléphonie, on peut souligner quand même la bonne volonté des opérateurs de nous recevoir régulièrement, que ce soit au médiateur, on a un représentant qui va aux sollicitations. Ça, c'est un point positif. Le point que je qualifierais pas de négatif, mais à améliorer, c'est effectivement, par rapport à ce fameux devoir de vigilance et cette interaction avec les représentants des consommateurs, dire ne pas s'enfermer dans la question, je dirais, purement de technique ou du problème. Alors, ça ne signifie pas qu'effectivement, il faut pas, faut poser l'un à l'autre, mais c'est extrêmement important si on veut vraiment avoir une vision tout à fait
je dirais, tout à fait large des problématiques. Transport, service public, là, effectivement, Indecoza, son cheval de bataille, c'est effectivement pour un grand service public accessible à tous. Voilà. Alors, il y a tout un débat aujourd'hui sur la gratuité, mais bon, je vais m'étaler sur le sujet aujourd'hui. Ce que l'on peut dire en finalité par rapport au devoir de vigilance, tous les travaux qu'on en a menés, en rencontrant les parlementaires notamment, en travaillant bien sûr avec l'éthique sur l'étiquette, avec Sherpa, avec toutes ces associations et ONG, pour nous, ce qu'il faut lutter rapport à ça, c'est qu'effectivement, bon, ça a été validé par le Conseil constitutionnel, donc par contre, ce qu'il faut lutter, c'est toujours cette idée que il ne faut pas de sanctions, il ne faut pas de. Alors, bien entendu, ce qui concerne les amendes a été refusé, bien sûr. Après, on nous dit toujours, ah oui, mais vous inquiétez pas, si juridiquement, ils n'ont pas respecté les règles, ces grandes entreprises, vous inquiétez pas, ils seront condamnés, etc. Malheureusement, bien sûr, le devoir de vigilance et la loi va peut-être nous effectivement améliorer ces choses-là. Contre, nous, on a du recul, notamment par rapport à une multinationale française qui faisait des composants électriques. Bon, je ne veux pas la nommer là parce que je ne suis pas dans du dénigrement, pardon. Mais c'est une grande bataille qu'on a menée. Ils fabriquaient, je dirais, des prises de courant et autres, des processus avec notamment du chromage qui sont à la fois dangereux pour la santé et l'environnement. Délocalise une production sur le site d'Angoulême, sur un site très sécurisé, en Malaisie. On s'arrange sur que ça soit sur un sous-traitant de rang 2. Une instruction est faite au niveau du tribunal. Nous apportons les éléments nécessaires, je dirais, au moins à une information judiciaire. Et finalement, après deux auditions, avec la juge d'instruction, on se retrouve finalement, non, non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, vous savez, en Malaisie, les entreprises, elles sont ISO 14000 et elles respectent les règles environnementales, il n'y a aucun problème. Alors que si vous parcourez Internet, il n'y a pas une journée où on ne vous montre pas la Malaisie, la pollution des eaux, etc. Enfin, on sentait bien qu'à la limite, alors c'est moi je suis un petit peu contrarié sur ces questions parce que nous avons des normes internationales. Alors, des normes. Management comme ISO 9001, etc. Nous avons l'assurance qualité, nous avons l'ISO 14000, nous avons tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation paradoxale où, lorsqu'il y a problème sur ces questions-là et qu'on certifie, si jamais on se retrouve dans la situation où ce n'est pas respecté, il ne se passe rien. Ou alors, il se passe, leur retire leur agrément, enfin leur certification, etc. C'est pas suffisant. Parce que quand le consommateur achète un produit ou un service, alors pas tout le monde, mais il fait confiance. Ces marques, ces normes sont des marques de confiance. À partir du moment où cette confiance n'est pas respectée, pour nous, ça relève de la co pratique commerciale trompeuse. On est en train d'y réfléchir, y compris nous avons sur l'affaire Lactalis exactement la même problématique. Ils ont les ISO qu'on peut imaginer énormes, malheureusement, on voit bien que, il y a des trous dans la raquette et encore aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une vraie plainte sur ces remises en cause finalement de la norme. Je pense qu'il faut vraiment aussi réfléchir ça. Alors bien sûr, il y a d'autres considérants sur Lactalis, notamment sur la tentative d'empoisonnement, enfin, etc. Mais moi, à mon avis, je pense qu'il faut qu'on travaille de manière à ce que ces normes soient respectées. Elles ne seront pas suffisamment respectées si derrière, il n'y a pas le gendarme. Ça, c'est clair et net. On est trop dans je dirais, dans la marque, démarche trop volontariste et pas assez, justement. Pour nous, c'est un quasi-contrat. Donc, à partir du moment où il y a un engagement qui est pris par une entreprise, elle doit le respecter. Alors, j'étais très intéressé de ce que me disait Monsieur Nissim sur le fait sur les lanceurs d'alerte. Alors,
Sur les lanceurs d'alerte, évidemment, moi je me place, bon, on a été créé par une organisation syndicale, mais nous, moi je me place sur une association loi 1901. Alors sur les lanceurs d'alerte, effectivement, nous avons un rôle à jouer, mais ce rôle aussi, il est aussi de la reconnaissance de ces entreprises comme interlocuteurs. Je l'ai dit précédemment. Sur ces deux dossiers-là, par exemple, que je vous, notamment bon, sur un grand opérateur de téléphonie et puis sur le dossier des composants électriques, nous avions quand même, à l'aide effectivement de témoignages d'ONG locales, etc., des preuves concrètes justement de. Alors ça peut être, bon, le premier, c'était notamment contre rapport à l'atteinte. Je veux dire aux droits des travailleurs, travail forcé, travail des enfants. Et le problème, c'est que sur la phase, je dirais, contentieuse elle-même, eh bien, on pouvait, par exemple, faire une alerte au niveau des instances européennes en disant, attention, la Corée du Sud a signé des accords de libre-échange, mais en échange, elle améliorait au niveau, je dirais, tout ce qui est les questions des droits de l'homme, etc., droits des travailleurs. Et finalement, vous les interrogiez et disaient, ah oui, mais ils font des efforts. C'est carrément hallucinant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette espèce de ventre mou qui fait que même avec des évidences, attention, je mets des nuances, mais même avec des preuves, on n'arrive pas à déboucher justement sur une piste économique. Alors, au niveau européen, c'est assez dramatique. À chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, notamment nous, on travaille sur les questions alimentaires, aussitôt, la première chose que font ces pays-là, c'est dire, ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, on l'a vu sur le concombre, soi-disant, en France, alors que c'était finalement des graines germées en Allemagne. Mais bon, le gouvernement allemand a dénigré finalement les productions françaises. Ça a permis de soigner l'opinion publique. Ouais, il y a véritablement un problème. Pour nous, ce qui a été intéressant aussi, alors avec tout le travail magnifique qu'on a fait avec China Labour Watch, avec Sherpa Peuple Solidaire, franchement, je remercie vraiment. Ce qu'on a fait nous aussi, c'est que sur les produits d'investissement socialement responsable, les produits ISR, eh bien, on a aussitôt alerté l'organisme en question, et avec ses analystes, ils ont dégrané la note ISR. Que je pense qu'effectivement, il faudrait nous permettre aussi d'avoir un arsenal qui nous permet, nous, individuellement, un petit peu de relancer la machine. Parce que si on reste sur un cadre officiel, vous savez, vous avez des cabinets d'audit, tout ça, des gens qui font des travaux extraordinaires. Hein. Ils peuvent vous montrer, finalement, c'est ça lave plus blanc, c'est merveilleux. Et en même temps, il faut soutenir la contradiction, et parfois, rapport élogieux, cacher justement, disons, des vérités moins avouables. Et pour nous, le lanceur d'alerte doit aussi avoir cette capacité, je le dis bien, cette capacité à pouvoir justement alerter sans forcément. Alors là, en France, c'est assez criant. Bon, on a l'habitude, maintenant, ça ne nous fait plus grand-chose, mais depuis, par exemple, l'affaire SodaStream, où on avait porté plainte contre des produits qui étaient fabriqués en dehors des territoires. Et dans les territoires occupés, donc en dehors de la législation, y compris du travail israélien, sur des produits qui ont caché un peu la vérité, quoi. Eh bien, ce qui est à chaque fois la règle des opérateurs et des entreprises, c'est que si on porte plainte, aussitôt, c'est à charge, dénigrement de la marque, en fait, etc., etc. Pour le moment, il y a jamais eu, pour nous, de conséquences fâcheuses, et les juges n'ont pas suivi. Mais en même temps, ça pèse aussi, c'est-à-dire quelle est la limite entre guillemets, je dirais, le dénigrement d'une entreprise et effectivement l'information objective. Je suis très très inquiet parce que dans le débat que l'on s'ouvre actuellement sur les fake news, nous faisons très attention que dans la corbeille de la mariée, les informations diffusées en tant que lanceur d'alerte des associations comme les nôtres cette, entre guillemets, un biais ou un autre, transformé en fake news. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que la liberté est à ce prix, hein, je pense. Alors bien sûr, tout en restant raisonnable dans nos positions, bien entendu, et surtout objectives.
Ah, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je trouve aussi que il faut faire, et ça c'est dans le devoir de vigilance, même dans la RSE, dans toutes ces questions-là, on a un problème objectif aujourd'hui. Et alors, ça avance, hein, c'est mieux. Mais on est dans cette conception, je dirais, où combien ça va me rapporter d'être éthique ou citoyen. L'entreprise, beaucoup d'entreprises raisonnent dans ce sens. Alors, on ne va pas les blâmer parce que une entreprise, c'est aussi pour gagner de l'argent, pas simplement, effectivement. Mais en même temps, très souvent, lorsqu'on parle effectivement de mots comme le devoir de vigilance, on dit, ah, pour le processus, il va falloir que je fasse appel à une boîte de com pour voir qu'elle fasse une belle présentation de nos activités. Attention, on est là-dessus, toujours cette problématique tenue entre finalement la formation tronquée et de la formation objective. Et là, on a du mal quand même aujourd'hui, parce que c'est aussi malheureusement de la part, je dirais, des pouvoirs publics français, enfin, ce que je connais, parce que on a lancé beaucoup d'initiatives. Il y a eu l'avènement, entre guillemets, et malheureusement aujourd'hui un peu en difficulté, le service à la personne. Vous avez eu, compris, sur l'économie circulaire, tout ça. Mais à chaque fois, l'État utilise non pas l'argument d'entreprise citoyenne, mais plutôt on va vous faire avoir des exonérations fiscales, de charges, on va vous faire ci, on va vous faire ça. C'est un peu le débat que j'avais au Grenelle de l'environnement, où en 2007, où je fais face à un gros agriculteur, il me dit, mais moi, pour tailler mes haies, il faut me financer. Je dis, mais moi, quand je taille ma haie, on ne me donne pas d'argent pour ça, c'est un geste citoyen. Donc, il y a d'énormes difficultés sur ces questions-là, il faut qu'on ait un langage commun. Je pense que dans l'avenir, ce devoir de vigilance, c'est un premier point important. Après, il va falloir travailler toutes les parties prenantes un langage commun pour éviter qu'effectivement on se retrouve dans des situations où ça devient illisible. Parce que c'est aussi ça le problème. On l'a vu dans le commerce équitable, à un moment donné, ça devenait complètement illisible. Et en même temps, chacun prenait, entre guillemets, dans une forme de cahier des charges avec ce qui l'intéressait le plus. Alors moi, je faisais un peu plus d'environnement, un peu moins de social, etc. Le bon exemple, c'est l'exemple de la banane en République dominicaine, estampillée donc agriculture biologique, et qui finalement, où on fait travailler dans des conditions insupportables des travailleurs sans droit, sans couverture sociale, et surtout sans syndicat. Donc vous voyez, il faut qu'on fasse attention, qu'on ait un langage commun, entre les opérateurs, les associations, les ONG, et qu'on puisse y travailler, je dirais, de manière complémentaire. Quand je l'ai dit sur les lanceurs d'alerte, y compris nous, si avec des analystes, etc., on arrive à démontrer, ou si avec des témoignages, il ne faut pas que ça se transforme en blackout et que finalement, il n'y ait plus de dialogue possible parce que, effectivement, machin. Donc, nous, c'est indispensable qu'on puisse faire évoluer. C'est un premier pas. Et l'évolution de cette loi doit véritablement s'inscrire dans le temps. Vous remercie, je ne veux pas aller plus loin. Allô? Allô? Oui, merci beaucoup Vous entrez? Arnaud. Merci. Intéresse le consommateur dans la RSE et dans le devoir de vigilance, et en particulier effectivement cet aspect consommateur en tant qu'individu affecté directement par les activités d'une entreprise, que ce soit à travers les produits ou les services qu'elle vend. Et puis, évidemment, le consommateur affecté indirectement par les processus de RSE et le devoir de vigilance des entreprises, donc parce que le consommateur est un agent économique intéressé par l'égalité par la durabilité. Et c'est là que se pose la question, finalement, effectivement, comme vous l'avez souligné, de la transparence, de la publication de l'information et des plans de vigilance, qui vont permettre, finalement, aux consommateurs, potentiellement, de comparer les entreprises et les mettre en
transparence sur les questions de droits de l'homme, d'environnement, etc. C'est vrai que c'est deux dimensions très intéressantes que vous avez soulignées. Vous avez également souligné une dimension particulièrement importante, qui est la dimension de l'effectivité du droit et de l'effectivité de toutes ces normes de RSE qui ont été créées dans ces dernières années. Effectivement, la question de l'accès à la justice pour les personnes qui ont été lésées, qui ont subi une atteinte à leurs droits fondamentaux, elle est capitale. La question effectivement du retrait des sanctions de la loi devoir de vigilance devant le Conseil constitutionnel, qui a inquiété beaucoup d'observateurs qui pensaient que potentiellement, après cela, la loi ne serait pas effective, qu'elle ne serait pas effectivement saisie par les différents personnes qu'elle cible. On se rend compte que finalement, aujourd'hui, les entreprises mettent quand même plutôt bien en place leur plan de vigilance, qu'elles sont assez soucieuses d'investir du temps et de l'énergie dans la mise en place de leur plan. C'est sûr qu'on attend l'exercice prochain, l'exercice 2018 et la publication d'un rapport en 2019. Et c'est à partir de cette année qu'il y aura une possibilité d'action judiciaire sur le fondement de la loi. Et c'est là que finalement toutes les questions d'effectivité du texte vont se concrétiser de manière encore plus importante. Et bien évidemment, en ce qui concerne les consommateurs, à ce moment-là, une question va se poser qui est celle de savoir est-ce que les actions de groupe vont pouvoir se mêler aux actions sur le fondement du devoir de vigilance. Et bien évidemment, là, on voit une porte qui s'ouvre pour les consommateurs et pour les associations de consommateurs, pour effectivement aller rechercher une effectivité plus importante de leur droit. Alors, je vais prendre peut-être une des questions dans la boîte de dialogue. La question qui est posée à une des quotas est quels sont vos rapports avec l'ONG Éthique sur les siestes qui portent des actions. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait, oui. C'est un rapport de travail hein, que l'on a depuis des années avec l'éthique sur l'étiquette. Et en même temps, bien sûr, nous sommes membres du conseil d'administration de l'éthique sur l'étiquette. Donc, nous, effectivement, c'est. Alors, l'éthique sur l'étiquette a aussi cette particularité très intéressante d'apporter un éclairage justement régulier pour dénoncer justement des pratiques, pourquoi pas faire avancer les choses. Quand on a parlé du Rana Plaza, le collectif d'éthique sur l'étiquette qui était très vigilant là-dessus a obtenu quand même des choses positives, notamment sur le fonds d'indemnisation, sur toutes ces questions-là. Donc là, là-dessus, c'est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, de manière isolée, notre impact sera limité. Par contre, effectivement, en s'associant ces organisations-là avec leurs spécificités, mais aussi avec leur propre réseau, peut effectivement avoir beaucoup plus d'impact justement sur quoi améliorer. On parlait du devoir de vigilance. C'est évident, il ne faut pas se satisfaire que ça soit inscrit uniquement dans la loi. Ça, vous l'avez parlé à juste titre sur l'action de groupe. Nous avions été très surpris de voir finalement, au prix d'un combat éthique, je dirais, pourquoi le MEDEF français, qui était toujours hostile à l'action de groupe, finalement a dit, bon, finalement, ok, bon, voilà. Sauf que, techniquement, c'est inscrit, bien sûr, dans le code, mais nous, ça nous pose d'énormes difficultés parce qu'on doit supporter, justement, à la fois du point de vue logistique et financier, toutes les contraintes. Et donc ça, effectivement, la loi ne l'a pas dit expressément, et on l'a découvert qu'après. Alors en plus, une autre chose, les dernières, entre guillemets, jurisprudences sur la question, une interprétation, je dirais, du juge, qui avait, suite à une plainte sur donc un réseau immobilier, finalement déterminer qu'il faut un certain nombre, je dirais, de plaignants pour déclarer une action de groupe. Or, dans l'esprit de la loi, il n'avait été jamais question d'un minimum de plaignants. Vous voyez, bon, je le dis, mais on revient aussi sur l'effectivité du droit et sur la difficulté que l'on a aujourd'hui, y compris même, et c'est pas au niveau des magistrats, finalement, ils impriment une
une vision un peu plus ouverte, si vous voulez. C'est-à-dire que le droit est immuable, c'est pas la question de ça, mais il faut faire attention parce que, à mon avis, ces considérations-là, en matière de droit, devoir de vigilance, etc., restent quand même dans leur, je dirais, leur fondement intime, encore très à la marge. Donc là, c'est extrêmement important de se battre justement dans ce cadre de cette effectivité du droit, que je vous l'ai dit précédemment sur un dossier qui nous tenait à cœur, hein, en Malaisie. On a vraiment été très surpris, pourtant c'était une juge d'instruction qui est extrêmement virulente, hein, notamment qui a fait sur l'affaire de l'Erika, par exemple, mais où simplement un petit audit d'une société que l'on ne connaissait pas du tout, mais à capital limité, plus un texte officiel de la Malaisie disant on est 14 001, etc., suffisait amplement à discréditer, mais amoindrir toutes les preuves qu'on avait apportées. Donc là, faut vraiment aussi qu'on travaille sur cette question-là, en maintenant bien sûr que le pouvoir du juge est souverain, mais en même temps, il faut vraiment aussi, je pense que c'est une question aussi de culture. Je pense que le devoir de vigilance n'est pas un gadget. Le devoir de vigilance, c'est véritablement un objectif. Ça, il va falloir effectivement, y compris nous, à notre niveau, à nous, à faire passer ce message. Bien, merci beaucoup Arnaud pour cette réponse très complète. Ce que je vous propose, il me reste un peu moins d'une dizaine de minutes, c'est qu'on fasse un petit tour de questions peut-être communes entre Arnaud Faucon et Yves Nissim. Très bien, parfait. Je ne sais pas si peut-être les participants veulent ajouter des questions dans la box de conversation. Sinon, moi, la première question que j'aurais, c'est est-ce que l'un comme l'autre, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, le plan de vigilance et la communication sur le plan de vigilance potentiellement un outil des consommateurs pour voilà, à risque lié à les pratiques. Je vous entends très très mal. Vous m'entendez mieux là? Ah, là je vous entends beaucoup mieux. Je vous entendais pas du tout. Alors, est-ce que la question que j'avais, c'est est-ce que les plans de vigilance, c'est une question qui s'adresse à la fois à M. Faucon et à M. Nissim, est-ce que les plans de vigilance, vous les considérez comme une opportunité pour les consommateurs, pour effectivement comparer les entreprises, comparer les performances, et donc comme un argument commercial, ou plutôt comme un risque, c'est-à-dire un risque de trop communiquer, de communiquer de façon pas assez sincère, et du coup d'avoir potentiellement des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses, des soucis liés à des questions de greenwashing, etc., etc. Comment est-ce que vous percevez ce plan de vigilance comme une opportunité ou un risque vis-à-vis des consommateurs? Ben je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Nessi, mais Ok, je vais je démarrer. pense qu'on n'aura pas forcément la même vision, ce qui est normal. Oui, le plan de vigilance, d'abord en préambule, pour moi, le plan de vigilance est pas seulement pour servir nos clients, c'est vraiment pour servir la société entière. Et par rapport au thème de la vigilance, qui sont les droits humains, la santé, sécurité et l'environnement, c'est vrai que ce sont des thèmes sur lesquels nos interlocuteurs clients, hein, consommateurs, ont une sensibilité qui est mal répartie à travers la population de nos clients. On a clairement, et j'ai pour ça quelques exemples d'autres sujets, des éléments qui me font dire que souvent le client se comporte avec une attitude du moins-disant plutôt qu'avec une attitude du plus éthique. Je m'explique. Lorsque l'on sert un téléphone le client, il ira sur la meilleure affaire, le meilleur marché ou le meilleur rapport qualité-prix, plutôt que d'aller regarder à la fois la recyclabilité du produit, les émissions de CO2, tout ce que vous voulez qui tourne autour de l'aspect environnemental, même si dans les dialogues que l'on a avec eux, ils sont très 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 friands de ce genre de choses, leur comportement n'est pas encore en phase avec leur pensée.
hein, donc le monde des usages. Donc j'ai l'impression déjà qu'avec des termes comme l'environnement, on va servir plutôt la société civile d'une manière générale plutôt que notre client. Sur le terme de liberté d'expression, complètement différent. Là, effectivement, le fait de respecter l'accès à nos services, hein, et l'ouverture de nos services au plus grand nombre, parce que c'est un peu ça l'enjeu, va être très déterminant et les dialogues ont déjà commencé, hein, You are the only participant in the conference. Please press any key on your keypad to remain in conference. J'ai été interrompu par un message, mais j'espère que vous m'avez suivi. Donc là, je dirais qu'effectivement, le devoir de vigilance va être très productif auprès de la fiabilité de l'entreprise face à ses clients et auprès donc de la confiance que l'on va générer. Sur le troisième pilier, santé, sécurité, là encore, je ne pense pas que nos clients ont une perception réelle de ces éléments-là. On l'a beaucoup plus à travers nos correspondants chez nos fournisseurs. Et donc, on va servir cette autre part de partie prenante. Hein, donc voilà, je séparerai un peu les variables par rapport à votre question. Arnaud, je vous laisse prendre la parole. Oui, moi en fait, bon, je me place sur effectivement, bon, on a évoqué notre association a une sensibilité particulière, donc effectivement, elle est sensible peut-être que d'autres consommateurs à certains considérants. You are the only. Il faut qu'on soit prudent. Excusez-moi, ça avait coupé. Il faut qu'on soit prudent aussi sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une, je dirais, dans un, là, on prend l'approche environnementale, dans une conception finie, c'est-à-dire qu'on sait que nos ressources, ben, s'appauvrissent, on sait que nos ressources, etc. Donc, il suffit pas justement de déclarer, de faire du déclaratif en disant voilà, on va faire en sorte que, etc. Par exemple, sur une approche globale, je trouve intéressant la démarche d'Orange, notamment sur le Fairphone, hein, ce qui avait été fait notamment sur ce téléphone qui utilisait je veux dire, des produits plus facilement recyclables, utiliser effectivement des matériaux qui respectaient un peu plus les questions environnementales. Please contact your moderator for assistance. Le You will problème, now c'est be que disconnected. c'est pas une moi, c'était pas une approche complètement globale d'Orange, et on retombait un petit peu, comme font souvent les grandes surfaces, par exemple, sur un phénomène de niche. Faut être prudent. Bien entendu, une partie de la population, elle, n'est pas forcément très sensible à toutes ces questions-là, et est plus sensible à ce que vous avez dit, rapport qualité-prix, technologie, etc. Mais attention, c'est aussi à nous, les entreprises à leur niveau, mais à nous, d'avoir aussi je dirais, cette conception. D'information, d'éducation, etc., tout en restant bien sûr raisonnable, mais ça éviterait aussi bien des déboires et de se retrouver dans des situations comme on l'a connu précédemment. Le message doit être clair, l'information doit être claire, et c'est pour ça que nous militons, justement, quand on parle, entre guillemets, d'un cahier des charges ou des choses comme ça, mettre en place ensemble, justement, un langage. Une définition lisible pour tout le monde. Ça, je pense que ça peut être quelque chose de très positif, bien sûr, avec l'arbitrage des pouvoirs publics, pourquoi pas. Je pense qu'une démarche déjà concertée avec les organisations et les entreprises sur véritablement un langage commun pourrait justement, je dirais, au moins contregarer cette entre guillemets, cette séparation des strates de notre population où chacun, voilà. Mais en même temps, je le maintiens,
Toutes les questions font appel, je dirais, à une approche sociale, solidaire, éthique, etc., ne peuvent, c'est comme qu'on dit, ne peuvent pas être négociables entre nous. C'est pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. Il faut qu'on ait ce corpus commun, parce que sinon on va se retrouver comme malheureusement par le passé, où développement durable égale respect de l'environnement. Le développement durable, il y a trois piliers à respecter. Ces trois piliers doivent être respectés, justement, où il faut aller vers ce respect de manière équilibrée. Sinon, effectivement, on est plus dans la com, véritablement dans la prise en compte. Ah, merci.